Ma peinture acrylique est toute sèche dans mon assiette. J'ai même pas fini mon colo. Qu'est-ce que je vais faire? Calme-toi, Simone. On prend la mesure de notre support. On prend pas de mesure, on fait juste la mettre sur le bureau, là. On met du sopalin ou du papier essuie-tout dedans. On coupe des papiers, des carreaux de papier parchemin. On met dessus. On a notre palette humide. Mais c'est pas humide! Ah! Mets de l'eau ici. Remets ton papier parchemin, ta peinture par-dessus et l'affaire est ketchup. OK, on combine. Notre support. Sopalin. De l'eau. Notre papier parchemin. La surface, elle reste humide. C'est parfait. On met la peinture et on s'amuse. Elle séchera plus, la petite baptême. Simone Collard, abonnez-vous. Oh non. Ça, c'est Hector. Bien. 10 minutes plus tard, qu'est-ce que donne ma goutte? Oh, elle est toute belle. Est-ce que ça change la consistance de la peinture? Pas du tout. Enfin, un truc gratuit pour sauver des sous. Bon, je peux en mettre un peu plus de peinture, puis finir mon colo, enfin. Ah, oh, je veux être écologique. Le sopalin en dessous n'est pas contaminé par la peinture. Fais-le sécher et réutilise-le. Yay! Je vais enfin pouvoir finir mon colo au complet et ne pas avoir à me soucier que ma peinture sèche. Simone Collard, abonnez-vous. Bon colo à tous!